La célèbre chanson US Créteil Musique d'Amos, c'est maintenant. Vous pouvez vous applaudir les joueurs. Allez les enfants, encouragez la Célèbre chanson. La Brigata également. Un maximum de bruit pour les deux équipes ce soir qui s'affrontent. Un match au sommet. Les hommes de la ville de Frappeur ce soir qui vont tenter ici d'être les trois points. Façon parisien, façon bélier, un match. Et dans quelques instants, on retournera après la première demain entre les deux coachs, Habib Boulezred et David de Frappeur, la version qu'on envoie effective donnée à la famille Scala, notamment pour Jean-Patrice. Ils sont présents du côté des loups ce soir, on les remercie, donc RPS et marquage au sol, donc situé à Saint-Vit depuis 14 ans, RPS et marquage au sol est à vos côtés, dans la signalisation verticale et horizontale, les aménagements PMR, le mobilité urbaine, les aires de jeu et les terrains multisports. Merci à toi Roland, donc directeur de l'entreprise, d'être là et de soutenir donc le Racing Besançon, et c'est donc le coup d'envoi qui sera donné par Roland Scala. Allez, les enfants, on compte sur vous. Est-ce que vous êtes chiés ce soir? Est-ce que le public nous a été chiés ce soir? Je vous rappelle, le 12e en milieu est en tribune, et c'est vous. Je veux les aller les rouges ce soir dans la tribune. Allez, les enfants, allez, les rouges. La mi-temps. Les enfants, je veux vous entendre toute la mi-temps, les encourager. Je compte sur vous. Allez, bon match, Boba, Roland, Scana et son équipe du côté des loges. Merci donc à tous et c'est parti! Sur les scores de 0-0-0-0, bien sûr, on va se retrouver dans 15 prochaines minutes. Et pour vous dire également qu'il y a la boutique Racing Besançon dans la tribune. Donc si vous allez faire un petit tour, voir ce qu'il pourrait vous faire plaisir. C'est 3 points. Et c'est parti! Thank you.
but pour Luis Quintez Luis Quintez avec le numéro 15, Ibrahim Sek. Sur le score de 1 but partout entre l'Racing de Lançon et l'US Créteil, Lusitanos. La série pour l'Racing de Lançon continue tout de même. Et oui, ça c'est un très très bon point puisque c'est 7 points sur 9 en 3 rencontres après Bourg-en-Bresse, après Colmar. Et bien c'est un nouveau point ici à domicile. Là, c'est une très belle équipe de Créteil. On en souhaite bien sûr une bonne fin de saison. Un bon retour à nos amis cristoniens, bien entendu. Vous, cher public, on vous souhaite une excellente soirée. On se donne rendez-vous. Eh bien, ça ne sera pas du tout bientôt, puisqu'il va y avoir pas mal de matchs à l'extérieur, comme je l'ai dit. Le prochain match à domicile pour l'Racing de Lançon, ça sera le 2 décembre, oui, à 18h.